tous, bienvenue sur Made in Clems. Moi, c'est Clémence. Aujourd'hui, nous allons voir le cupcake à la confiture de lait. On dit aussi dulce de leche. Je crois que c'est en italien. Vous allez voir, c'est super bon. Alors, on est parti sur une génoise à la vanille avec un cœur à la confiture de lait. Juste le truc le plus gourmand. Et je suis partie également sur une crème à la vanille, histoire de bien ressortir le goût de la confiture de lait. Et vous allez voir ce petit coulis gourmand qui dégouline sur le cupcake. Alors, je vous dis à tout de suite pour la recette. Pour cette recette, il vous faudra de la farine, du beurre, des œufs, du sucre, de la vanille et de la levure. Retrouvez la recette sur le blog madeinclems.fr. Tout d'abord, mettre dans un bol le beurre mou. Fouettez pendant une minute. Ajoutez ensuite le sucre et fouettez jusqu'à ce qu'elle soit crémeuse. Ajoutez ensuite les œufs en deux fois et fouettez. Mettre le deuxième œuf. Alors, j'ai ajouté la farine en mélangeant la levure à l'intérieur. N'oubliez pas la vanille, donc incorporez-la à la farine et ajoutez la farine à la pâte. Fouettez jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Ensuite, à l'aide d'une cuillère à glace, mettre la pâte dans les alvéoles d'un moule à cupcake. Faites cuire pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés. À l'aide d'un couteau, creusez des trous dans les cupcakes. Ensuite, à l'aide d'une poche à douille ou tout simplement d'un sachet de congélation, mettre de la confiture de lait au cœur des cupcakes et refermer avec le morceau. Ensuite, préparez la crème avec le sucre, la mascarpone, la crème liquide et la confiture de lait. Alors, dans un bol, mettre tous les ingrédients. Fouettez jusqu'à ce que vous ayez une texture crémeuse et lisse. Ensuite, prenez une poche à douille et une douille et décorez vos cupcakes. Et ajoutez un liseré de confiture de lait pour décorer. Et pensez à l'atelier Layer Cake de février. Donc vous avez juste en haut à droite la possibilité de vous inscrire ou dans la barre d'infos qui vous dirigera directement sur le site internet pour prendre une place.